Je crois qu'on était avec Nicole Meillère il y a quelques semaines, invité à un colloque organisé par des grandes entreprises sur la problématique des lanceurs d'alerte. Donc c'est une problématique qui a été, qui est en train aussi de se développer au sein même des entreprises. Donc ça, c'est intéressant. Après, la vraie question, c'est le niveau dans lequel le scandale a été érigé en politique de l'entreprise. Si c'est au sommet de l'entreprise que, eh bien, on a décidé sciemment de faire cela, vous comprendrez que ça n'a pas de sens. Si c'est dans un service spécifique, là, l'entreprise peut avoir une double attitude, deux attitudes. Soit elle couvre le service, soit elle décide de le décapiter, et donc là, il peut y avoir un intérêt à avoir des procédures internes. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, quand j'avais auditionné à l'Assemblée nationale Hervé Falciani, et quand on connaît l'histoire d'Hervé Falciani, c'est qu'il nous avait expliqué que au sein de HSBC, il y avait deux services. Il y avait d'un côté le service du contrôle interne, auquel il appartenait, qui, lui, était là pour, je dirais, faire respecter la législation, contrôler les succursales, contrôler les opérations. Donc il y avait ce premier service, et dans la même entreprise, il y avait un deuxième service qui, lui, était chargé de faire le business et qui était chargé, quelque part, de transcender les lois pour faire du chiffre. Donc, à l'intérieur même